Le festival Clin d'œil représente la culture au sens large, avec tous les arts, la sculpture, le théâtre, la danse, le théâtre de rue. Bien sûr, c'est un festival pluridisciplinaire qui représente la culture sourde. C'est mondial, c'est vraiment, vraiment un public international. Sur les 3500 personnes qui viennent par jour, il faut compter à peu près 50% de Français, 50% de personnes étrangères. On a, il faut compter à peu près 1,12 million d'euros sur ces 3 jours en retombées économiques pour la ville de Reims. Il n'y a pas d'équivalent dans le sens où il y a des festivals qui sont, eux, dédiés au cinéma, qui sont dédiés au théâtre, mais pas comme ça, pluridisciplinaire comme Clin d'œil, où on a donc le cinéma, le théâtre, les ateliers enfants, le théâtre de rue qui sont vraiment représentés. Et en ça, Clin d'œil est unique. C'est quand même intéressant de voir à quel point les personnes appartenant à la communauté sourde ont une soif réelle de culture. Imaginez les festivaliers qui arrivent sur les 3 jours et qui voient des pièces norvégiennes, allez, le lendemain une pièce japonaise, ou encore une pièce de l'Afrique du Sud. Et c'est vraiment ça qui va leur permettre une ouverture, un bain linguistique, culturel. Et c'est pour ça que moi, je me bats. Invest in Reims.